Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur l'ordre de libération. C'est un ordre qui est ultra important, que ce soit en éducation, en dog dancing, en agility, enfin dans tous les sports. Je vais vous expliquer ce que c'est et plein d'exemples pour vous montrer concrètement. C'est parti! On a besoin absolument d'un ordre de libération. Pourquoi c'est essentiel d'en avoir? C'est tout simplement pour être plus clair pour le chien. Vous obtiendrez difficilement certains résultats sans l'ordre de libération. Donc l'ordre de libération, ça va être de dire à ton chien, ok, tu peux y aller, ce que je t'ai demandé c'est terminé, ou ok, tu peux y aller, tu peux prendre ce jouet, tu peux faire ça. Ça va permettre au chien, par exemple, si on lui demande de rester assis, ça va lui indiquer jusqu'à quand il doit rester assis. Donc en fait, il doit rester assis jusqu'à ce que je lui donne un ordre de libération. Parce que si on lui dit assis, reste, et qu'on ne lui donne jamais aucun ordre pour partir et qu'il peut partir quand il veut, ça ne va pas du tout renforcer son reste. C'est simplement être clair pour le chien, pour qu'il comprenne qu'il doit rester tant qu'on n'a pas dit l'ordre de libération. Alors quel ordre vous pouvez utiliser? Ok, go, tu peux, c'est bon. Bah, vraiment, vous pouvez utiliser tous les ordres que vous voulez. Après, c'est mieux d'avoir un ordre court. C'est pour ça qu'en général, ok et go, c'est les mots les plus utilisés. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner plein d'exemples en vidéo. C'est parti. Ouais, dans le panier. Couché. Go. Ok. Go. Ok. 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 Go. Oui. Stop. Go. Hop. Go. Ok. Go. Oui. Ok. Cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. À vous abonner parce que c'est ça qui permet de nous soutenir. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!